Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je veux vivre Marina. Une introduction sur du Faudel. Quoi de plus à côté de la plaque? Quoi de plus à côté de la plaque pour débuter une chronique dont le thème sera le Maroc, alors qu'un bref regard sur l'actualité nous indique qu'au niveau diplomatie, c'est pas à bisous-bisous entre le Maroc et l'Algérie. Et oui, c'est un fait, comme vous avez pu l'entendre tout au long de l'émission, les Marocains sont dans la place pour une petite tournée de plusieurs spectacles d'improvisation théâtrale. Une petite tournée qui ne s'est pas organisée sans quelques difficultés et sans quelques aléas de parcours. Ainsi, c'est Ahmed qui, à l'atterrissage de l'avion à l'aéroport de Nantes, se retrouva à deux doigts de se faire renvoyer à la frontière sous prétexte que, je vous le demande, sous prétexte que tous ses papiers étaient en règle et que rien ne pouvait lui être reproché, à l'exception bien sûr d'être arabe, ce qui n'est en rien un souci dès lors qu'on dispose d'un cerveau. Hashtag Rassemblement National, hashtag INPI, hashtag Ah non, en fait c'est pris, hashtag ça coûtait pas plus cher de se renseigner et ça évitait de passer pour des blaires. On peut cependant comprendre la policière de l'aéroport, car dans le contexte actuel de tension entre les pays civilisés comme la France et ces pays africains qui ne sont pas encore entrés dans l'histoire, hashtag Nicolas Sarkozy, hashtag on aime bien péter plus haut que notre cul, dans ce contexte donc de tension entre la France et les pays du Maghreb, qu'y a-t-il de plus louche qu'un Marocain en règle, bien inséré socialement et professionnellement, je vous le demande. Pour un premier voyage sur le sol français, on peut dire que cette représentante de la République française s'est véritablement montrée à la hauteur de sa réputation de terre d'accueil. Passé outre le manque de professionnalisme et l'irascibilité raciste d'un agent de police dont le manque de raison n'égalait que son absence de sympathie, passé outre cet agent sécuritaire donc, les amis marocains pouvaient enfin fouler le sol français. Ô joie que de parcourir cette terre française, cette terre des droits de l'homme, cette terre d'accueil qui se vit foulée par ceux qui estimèrent que chaque être humain puisse naître libres et égaux en droits et en devoirs. Oh, quelles sont belles nos routes du Grand Ouest et nos villes au passé architectural qui de leurs blanches pierres calcaires transportent le voyageur dans dans la grandeur d'antan. Oh, qu'il est cher le péage d'Anceny. Oh, qu'il est beau le parking de la Rochefoucauld et ses arbres déclassés discrètement pour mieux pouvoir les raser dans un futur proche. Oh, qu'elle est douce la ville Angevine et son pont de Verdun qui rappelle une guerre qui n'a rien à voir avec le sujet de cette chronique. Oh oui, quelle est belle notre ville. Ainsi, comme ce texte déclamé à l'instant avec un brio que rien ni personne ne saurait égaler, ainsi donc comme ce texte déclamé, notre région est belle et accueillante. Pour ma part, il me faut bien reconnaître que si je connais notre beau pays du Grand Ouest, ce pays lointain qu'est le Maroc, ce pays qui sent bon la pastilla, le tagine marakchi, le thé à la menthe avec 13 sucres et les oranges qui ont du goût, oui, ce pays qui fleure bon la chaleur des villes du Sud, ce pays entre mer et désert, mais des plus inconnus. Étant moi-même un représentant de la classe moyenne-moyenne de la société française, je n'ai jamais eu l'occasion de voyager par-delà cette mer Méditerranée. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais proposer aux auditeurs du jour un voyage à travers le monde, un voyage au-dessus de la mer Méditerranée, un voyage vers le Maroc. Ainsi, et pour mieux me fondre dans l'ambiance, je m'en vais de ce pas enfiler une tenue traditionnelle marocaine. À moi donc, Sarouel, Jabador. Ça c'est ta mère qui porte ça. Babouche Louis Vuitton. Oh waouh. Ah bah eh. La classe. Il est en train de s'habiller pour les auditeurs qui n'auraient pas compris. Tarbouche. Yalla. Et me voilà en moins de temps qu'il n'en faut pour l'imaginer devenu un véritable Marocain. Dans quel but, me direz-vous? Dans le but de vous parler un peu plus du Maroc. Le Maroc, aussi appelé Royaume du Maroc, ou encore en berbère El Faldil, ce qui, pour tous ceux qui parlent berbère, ne veut absolument rien dire, puisque je parle moi-même berbère un peu, à peu près aussi bien que je sais piloter une navette spatiale. Le Maroc, donc autrefois appelé Empire Chérifien, puisqu'il était la propriété du célèbre comédien Omar Chérif, qui lui était égyptien, mais à ce moment de la chronique, je ne suis plus à une approximation près. Sachez-le, le Maroc est l'un des seuls pays à comporter des rives sur la Méditerranée d'un côté et sur l'océan Atlantique de l'autre. Enfin, au-dessus. Parce que de l'autre, il n'y a rien. Enfin, il y a un pays. Ce qui donc rapproche le Maroc de la France et de l'Espagne, par exemple, mais ce qui l'éloigne grandement du Bhoutan, qui lui ne partage pas de côte avec la Méditerranée, ni avec l'océan Atlantique, ni avec aucun quoi que ce soit de marin d'ailleurs.
En 2014, voilà, c'est fait. Je pensais que ça serait plus drôle. En 2014, le Maroc comptait 34 millions d'habitants, ce qui est quand même beaucoup, puisque c'est quand même le double de 17. À savoir aussi que pour tous les Français disposant d'une carte Front National, ce chiffre de 34 millions n'est pas considéré comme étant beaucoup, mais comme beaucoup trop. Le Maroc est un pays où la faune est très diverse et même qualifiée d'exceptionnelle, puisqu'on y retrouve pêle-mêle des échassiers, des flamants roses, un petit oiseau au nom fort chatoyant, puisqu'il se nomme la courvite Isabelle, ou encore le vautour Pernkopner, ce qui est très dur à dire. On y trouve aussi des écureuils de Barbarie, qui se discernent de leurs lointains cousins les cerfs de Barbarie, par le fait qu'il n'ait pas de cornes, cornes qui bien sûr restent de gros handicaps dès lors qu'il faille grimper aux arbres. On retrouve aussi des hyènes rayées, qu'il ne faut pas confondre avec des zèbres, qui sont eux aussi rayés, ou encore des dauphins, mais plus sur la côte. En effet, à ce jour et aux grandes dames de nombreux amoureux de la nature, jamais un dauphin n'a encore été aperçu au milieu du désert marocain. Il est possible, mais difficile d'apercevoir au Maroc des magots, qui sont des petits singes. Ceux-ci sont cependant menacés d'extinction à cause de la cigarette, les célèbres magots de cigarette. Oh. Voilà. Oh. Voilà. J'ai vraiment insisté pour la message. On trouve enfin dans le désert marocain une sous-espèce de cobra d'Égypte qui n'a absolument rien à foutre là, puisque j'aimerais quand même lui rappeler qu'il s'appelle le cobra d'Égypte. Cela m'amène par ailleurs à cette question. Le cobra d'Égypte a-t-il besoin de visa pour se rendre au Maroc? Si oui, comment peut-il se présenter le dit passeport à la douane, puisque pour rappel, les serpents n'ont pas deux bras? Une question qui fâche. Voilà, c'était la chronique marocaine des imposteurs dans le sous-marin. J'espère avoir apporté un peu de culture aux auditeurs de Radio Campus. En toute modestie. Je souhaite donc à tous les auditeurs une bonne fin de soirée. Et vous dis donc à la semaine prochaine, ou comme on dit en arabe, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Slama. Voilà. Slama alaikum. Merci Maxime.